Bonsoir, où que vous soyez. Bienvenue au Carrefour Chrétien de la Capitale en cette soirée tout à fait spéciale du 24 décembre 2021. Ou peut-être que vous écoutez ça dimanche en rediffusion à 9h30 le 26 décembre. Quoi qu'il en soit, bienvenue. On est content que vous soyez avec nous ce soir ou ce matin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va célébrer Dieu aujourd'hui autour, bien sûr, du thème de la nativité, de la naissance de Jésus, de l'incarnation de Dieu qui s'est fait homme. Et on va louer le Seigneur ensemble ce soir, bien sûr, autour de quelques cantiques de Noël, ça c'est sûr et certain. Quelques annonces que j'aimerais juste faire à ce moment-ci, avant qu'on débute notre réunion. Tout simplement mentionner que la semaine prochaine, le 31 décembre, il y aura cette soirée, cette transition dans le, vers la nouvelle année. Du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. La réunion a lieu à 22h le soir jusqu'à 1h le matin. Ça devait être en présentiel, mais avec les changements, les resserrements des mesures, alors ça ne sera plus en présentiel, ça sera plutôt sur Zoom que ça va se passer. Alors prenez-en bonne note, vous qui voulez participer à cette soirée à compter de 10h. Donc, le 31 décembre prochain. Sinon, pour dimanche, le 2 janvier, on vous l'a déjà signalé, je vous le répète, la réunion ne sera pas en présentiel, elle sera en ligne, mais elle sera dimanche matin à 9h30, comme d'habitude, sur Facebook Live ou sur YouTube Live, comme d'habitude. Bref, là où vous êtes habitué de vous brancher, soyez là. Nous serons là, donc, dimanche prochain, le 2 janvier. Alors, sinon, on va juste prier ensemble, peut-être, pour le déroulement de toute cette soirée et de ce bon temps qu'on va passer ensemble. Seigneur, nous te louons pour cette occasion que nous avons de pouvoir être réunis autour de la croix, autour de la naissance de Jésus, autour de la venue de Jésus dans le monde aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir chanter ton nom, de pouvoir glorifier ton nom, de pouvoir te louer et te célébrer. Puisses-tu venir ce soir, alors que nous sommes chacun de notre côté, venir toucher chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, et viens nous rassurer dans nos cœurs à nouveau que tu es là, que tu veilles sur nous, et que tu veux répandre ta bénédiction sur nous, où que nous soyons. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Amen. Et amen. Alors, célébrons le Seigneur ensemble, et je vais inviter Christian et toute l'équipe de nous conduire dans un chant de louange ce soir. Tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Que nos chants s'élèvent. Joie. Thank you.
ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Au loin, une étoile brillant la nuit.
Alléluia. Seigneur, merci. Merci d'être venu, Seigneur. Merci de ce que ta venue a tout changé dans le monde. A changé beaucoup de choses dans nos vies et a changé bien des choses dans le monde entier. Et nous te remercions aujourd'hui, Seigneur, de ce que tu es venu. Merci que tu es venu pour nous sauver et nous voulons aujourd'hui chanter le Rédempteur. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Merci beaucoup, Christian et toute l'équipe de louanges pour ces chants. Et puis, on peut bien chanter « Peuple debout, chante ta délivrance ». Bien, ça a l'air que dans les lieux de culte, on ne peut plus vraiment se lever debout pour chanter maintenant à cause des circonstances particulières que nous vivons. Mais à la maison, nous pouvons le faire certainement et célébrer Dieu. Alléluia. Et le louer. Alors donc, ce soir ou ce matin, peu importe le moment où est-ce que vous écoutez cette diffusion, nous voulons nous souvenir de la naissance de Jésus, de la venue de Jésus. Et nous voulons souligner, célébrer ce moment glorieux. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, l'Évangile de Matthieu au chapitre 1, à partir du verset 18, où nous parlons où il nous est question des circonstances de la naissance de Jésus. Alors, nous lisons ensemble. « Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur, transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Ça nous parle ici des circonstances lorsque Jésus est venu dans le monde. Les circonstances qui ont mené à la naissance de Jésus. L'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Bien sûr, c'était quelque chose d'unique, quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant et qui ne se reproduira jamais encore. Jésus, parce qu'il est né d'une femme, était véritablement donc un être humain. Mais en tant que fils de Dieu, Jésus est né sans aucune trace du péché humain, puisqu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Jésus est donc à la fois entièrement humain et entièrement divin. Et parce qu'il a vécu comme homme, nous savons qu'il comprend complètement nos expériences et nos luttes. Il comprend ce que c'est de vivre dans un corps humain. Il comprend ce que c'est d'expérimenter la faiblesse, la tentation. Il comprend ce que c'est d'expérimenter la fatigue. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4 et au verset 15, ça dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Mais au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. » Voilà la différence qu'il y a entre Jésus et vous et moi. Il a été tenté, mais il n'a pas désobéi. Mais à cause de ça, la Bible nous dit qu'il n'est pas un Dieu qui est incapable de se sentir touché. Il peut donc se sentir touché, et il se sent touché par notre expérience.
parce que Jésus est pleinement Dieu. Il possède la puissance et l'autorité pour nous délivrer du péché. Alors, ce soir, ou ce matin, ou aujourd'hui, nous pouvons donc dire à Jésus ce que nous pensons. Nous pouvons lui dire ce que nous ressentons. Nous pouvons lui dire ce dont nous avons besoin. Il a été là où nous sommes maintenant. Il a donc la capacité de pouvoir nous aider. Les circonstances qui ont mené à la naissance de Jésus, où il est devenu véritablement homme, alors qu'il était déjà éternellement Dieu, fait de ce moment un moment vraiment historique, unique dans l'histoire du monde. À partir d'un autre récit de la naissance de Jésus, dans l'Évangile de Luc, par exemple, nous savons que les circonstances physiques de la naissance de Jésus n'étaient vraiment pas idéales, n'étaient pas optimales, loin de là. En effet, la Bible nous dit que c'est dans ce passage-là que c'est suite à un voyage forcé par un recensement que finalement Marie est arrivée avec Joseph à Bethléem et c'est là qu'était venu le moment de donner naissance au bébé. À cause d'un recensement, à cause d'une décision des autorités qui limitait la liberté de circuler du peuple, qui devait les diriger vers le lieu de naissance de leurs ancêtres pour faire donc partie de ce recensement-là. Ce n'était pas des circonstances idéales. C'était quelqu'un d'autre qui décidait pour eux. Et pourtant, dans le milieu de tout ça, on voit à quel point Dieu était là et était présent. Ce n'était pas des circonstances idéales pour la naissance de Jésus, parce que lorsqu'ils sont arrivés finalement à Bethléem, la Bible nous dit qu'il n'y avait plus de place décente pour eux pour pouvoir se loger. Alors que pourtant, c'était un moment tellement spécial où est-ce qu'elle avait besoin, Marie, de soins particuliers. Il n'y avait plus de place décente pour pouvoir les recevoir. Nous lisons même dans l'Évangile de Luc, le bébé a été couché, le bébé naissant a été couché dans une mangeoire. Une mangeoire. Voyez-vous, nous autres, nous avons parfois tendance, dans le monde occidental aujourd'hui, à regarder la nativité avec sentimentalité, avec un romantisme aseptisé, qu'on pourrait dire. On regarde ça avec nos yeux à nous, avec notre expérience. Mais dans cette période de pandémie mondiale que nous vivons, on peut peut-être se permettre de jeter un autre coup d'œil et voir à quel point il y avait de la souffrance dans tout cela. Parce que vous et moi aussi, on est limités. Et on souffre aussi dans une certaine mesure. Il y en a qui souffrent beaucoup plus que nous. Par exemple, les gens qui sont sans abri, les SDF, les sans domicile fixe, comme on les appelle, doivent souvent dormir dans des endroits qui ne sont pas destinés à servir de lit. Une entrée de magasin ou d'un commerce, un banc de parc, une auto, une tente, un abri de fortune ou des campements illégaux à quelque part. Notre culture a domestiqué le récit biblique à un point tel que nous ne sommes plus dérangés ou troublés par ce qu'on voit ou par ce qu'on y lit dans cette histoire-là. Mais pourtant, la Bible dit bien que le bébé naissant, Jésus, a été couché dans une mangeoire, dans une boîte qui était désignée à garder la nourriture des animaux. Pas à tenir un petit bébé naissant. Et ça nous dit quelque chose, c'est que le Fils éternel de Dieu est né et est venu là où les bébés ne sont pas censés dormir. Et c'était là un symbole, une sorte de symbole de l'itinérance, à quel point que Dieu est descendu bas pour expérimenter. Quand on pense qu'on est dans les profondeurs ou dans les bassesses de la vie, Dieu sait ce que c'est. Nous réduisons souvent les souffrances de Jésus à sa torture avec la passion, la crucifixion sur la croix. Mais peut-être devrait-on commencer à reconnaître que les souffrances de Jésus ont commencé dès sa naissance. Jésus n'a pas seulement souffert sous Ponce Pilate, il a souffert dès le départ. Jésus a souffert au cours de sa naissance, a été déposé dans une mangeoire, comme on vient de le voir. Il est venu non seulement pour souffrir sur la croix, mais il est venu aussi pour souffrir toute sa vie humaine. Il a souffert de l'opposition des pharisiens contre lui. Il a souffert de l'échec de ses disciples qu'il aimait, qu'il cherchait à entraîner, à former, qui le décevaient une fois après l'autre encore et encore.
Jésus a souffert des foules puis de leurs exigences inhumaines. Jésus a souffert de l'oppression des Romains. Jésus a souffert de la perte de l'égalité avec Dieu lorsqu'il est venu dans un corps humain. Mais voilà Dieu avec nous. Dieu qui est venu sur la terre. Un Dieu qui connaît intimement qu'est-ce que c'est la souffrance, l'oppression, et être sans abri ou être itinérant. Voilà le Dieu qui est prêt à abandonner la puissance et le confort des cieux pour venir vivre la vulnérabilité de nouveau-nés, sans force, sans domicile fixe et dans une mangeoire pour animaux. Voilà un Dieu qui est prêt à faire tout ce qui serait nécessaire pour amener le salut à l'humanité, même la mort sur la croix. Pensons-y 2 minutes. Un Dieu si grand, si puissant, créateur des cieux et de la terre, qui choisit de venir dans un monde, dans des circonstances difficiles comme cela, pour expérimenter ce que c'est de vivre sur la terre et pour pouvoir, après ça, offrir sa vie en sacrifice afin que nous puissions avoir la vie. Les circonstances de la naissance de Jésus nous disent quelque chose d'important sur le désir de Dieu de nous rejoindre et de nous toucher. Mais regardons maintenant qu'est-ce que c'est la perspective de l'éternité par rapport à la naissance de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 14, nous lisons « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Celui qui est la parole est devenu homme. Lorsque Jésus est né, c'était Dieu qui se faisait homme. Il n'était pas partiellement homme et partiellement Dieu, il était entièrement homme et entièrement Dieu. Et Jésus est l'expression parfaite de Dieu dans une forme humaine. Ça, c'est pourquoi Jésus pouvait être un enseignant parfait, parce qu'il était entièrement homme et entièrement Dieu. Il pouvait être un exemple parfait de comment vivre. Il doit être encore notre exemple aujourd'hui. Il a été un sacrifice parfait, parce qu'il a vécu à la perfection aussi. Voyez-vous, Dieu a jugé qu'il était juste et bon d'être avec nous, d'être parmi nous. Accepter humblement les limitations, la souffrance, les tentations de la vie humaine. Dieu voulait et veut encore démontrer à quoi ça ressemble de vivre une vie pleinement animée par l'amour de Dieu. Et c'est ça l'exemple que Jésus nous a laissé. Le plus grand mystère de Noël, c'est pas seulement que Dieu pouvait simultanément être à la fois Dieu et homme, aussi grand que cela l'est véritablement. Mais c'est aussi le fait que Dieu l'a vraiment fait. Pour la vraie, il a décidé dans sa grâce et dans sa miséricorde qu'il voulait pour toujours être avec nous. Dieu avec nous, à travers Jésus incarné. La parole est devenue homme pour notre bien à nous. C'est un brillant théologien qui disait que ce n'est pas exagéré d'insister sur le fait que l'incarnation ou le fait que Jésus, que Dieu est devenu homme est l'enseignement primordial, la doctrine essentielle de la foi chrétienne. Dieu qui choisit de devenir homme, de s'abaisser à être un homme. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7 et au verset 14, nous voyons cette prophétie des centaines d'années, avant même la naissance de Jésus, qui nous dit encore, « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. La jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. » Dieu vit avec nous. Dieu a expérimenté ce que c'est la réalité. Dieu a été incarné. La naissance de Jésus nous montre 3 faits importants concernant Dieu. Et je veux juste résumer en terminant
rapidement avec ça ce soir ou ce matin. Trois faits importants concernant Dieu que nous voyons dans la naissance de Jésus. Tout d'abord, Dieu n'est pas insensible. Dieu n'est pas insensible. L'incarnation nous en dit plus sur la distance que Dieu est prêt à franchir pour nous secourir que sur la distance que nous voulons bien faire pour être sauvés. Dieu est venu de l'éternité, du trône de gloire, pour prendre un corps humain, pour partager notre expérience. Ça nous dit quelque chose que Dieu n'est pas insensible. Alors, pas besoin de croire les mensonges que le diable voudrait nous faire croire parfois. Où est Dieu? Où est Dieu dans ta souffrance? Où est Dieu lors des grandes guerres, lors des atrocités humaines qu'on peut voir? Où est Dieu dans la pandémie? Où est Dieu avec des personnes qui meurent de façon profondément injuste? Où est Dieu lorsque la justice n'est pas rendue sur la terre? Où est Dieu dans tout cela? L'histoire de la naissance de Jésus nous rappelle, mes amis, que Dieu n'est pas insensible. Il a fait du millage, beaucoup de millage, pour venir et habiter parmi nous, et être parmi nous, et expérimenter ce que c'est d'être véritablement un être humain, parce qu'il n'est pas insensible. Il voulait nous racheter du péché dans lequel nous étions esclaves et que c'était impossible pour nous autres de nous sauver par nous-mêmes. Il savait. Mais il est venu lui-même offrir sa vie en sacrifice pour que vous et moi, on puisse avoir la vie. Dieu n'est pas insensible. C'est sûr qu'il y a plein d'injustices dans le monde qu'on ne comprend pas. C'est sûr qu'il y a plein d'événements que c'est difficile à expliquer. En fait, que parfois c'est impossible à expliquer. Puis que dans le fond, on n'a pas besoin de chercher l'explication pour ça. Même si la tête humaine voudrait toujours avoir une belle rationalisation ou une explication claire de tout cela. La vérité, c'est que dans la vie, on n'est pas capable de tout comprendre et de tout analyser et de tout saisir. À un moment donné, il faut tomber dans le domaine de la confiance, de la foi. La Bible nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Au commencement, c'était ça. Dieu n'est pas insensible. Deuxième chose importante que la naissance de Jésus nous montre concernant Dieu, c'est que Dieu n'est pas muet. Justement, je viens de vous citer le passage dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était celui qui est la parole. Celui qui est la parole, c'est-à-dire le Dieu qui communique, un Dieu qui s'exprime. Dieu n'est pas muet. Au commencement était la parole. Pas l'acte, bien que Jésus est venu et a démontré les actions puissantes de Dieu. Mais la caractéristique essentielle de qui il est, ce n'était pas les actions puissantes qu'il a pu accomplir, c'était la parole. Bien que Jésus était rempli d'une grande sagesse, capable de voir dans le cœur des hommes, la Bible nous dit que pas au commencement était la pensée. Aussi grande et profonde était la pensée de Jésus. Non, il était la parole, le Dieu qui communique. C'était pas non plus, ça aurait pu être. Au commencement étaient les sentiments, les émotions, Dieu qui est capable de ressentir des choses et de souffrir et de pleurer avec ceux qui pleurent. Non, au commencement pas étaient les sentiments, au commencement était la parole. La parole, le lien entre l'existence même du Fils de Dieu, c'est la communication. Dieu, le Fils, existe et il a toujours existé de toute éternité afin d'assurer la communication avec le Père. Il est le Dieu qui s'exprime. Alors, laissez pas le diable vous dire non plus que Dieu ne dit rien, que Dieu ne parle pas, que Dieu n'est pas intéressé, que Dieu est insensible. Où est Dieu? Non, 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 Dieu est là, il est présent et il n'est pas insensible. Et Dieu, deuxièmement, n'est pas humain. Une troisième vérité que nous voyons également concernant la naissance de Jésus, c'est le fait que Dieu n'est pas absent. Et j'aimerais inviter les musiciens à revenir à ce moment-ci. Dieu n'est pas absent. Alors, l'autre mensonge du diable, que Dieu n'est pas là, il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Non, 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 Dieu n'est pas absent. Parce que l'incarnation nous déclare que Dieu ne nous a pas laissés seuls.
il ne nous a pas laissés seuls dans notre péché. Il ne le fera pas non plus dans l'avenir, jamais. Il est venu. Il est venu. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Alors ce soir, étant donné que Dieu n'est pas insensible, étant donné que Dieu n'est pas muet, étant donné qu'il n'est pas absent et qu'il est venu parmi nous, j'aimerais juste vous inviter, chacun d'entre vous qui écoutez ce matin ou ce soir, à venir à Jésus, à venir devant lui et à lui parler. Lui, il est déjà venu. Emmanuel a déjà franchi la distance pour nous rejoindre. Mais il nous invite maintenant à venir à lui. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28, il lance l'invitation « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » C'est-tu lourd parfois, la vie? Y a-tu des poids peut-être qui s'appesantissent sur nos épaules à un moment donné? Puis ça finit par être trop lourd, au point d'une rupture, au point de briser. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids de lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Il nous invite à venir à lui. Et ce soir, nous pouvons venir à lui. Parce que celui qui est la parole est devenu homme, il a vécu parmi nous. Alléluia. Le prince des cieux est venu. Christ, l'espoir du monde, est venu. Alors, est-ce qu'on pourrait juste prier ensemble ce soir? Seigneur, nous voulons juste venir à toi aujourd'hui. Parce que tu nous invites à venir à toi. Toi qui es venu, qui a vécu parmi nous, qui a franchi la distance entre le royaume éternel de gloire, de puissance, de majesté, et que Jésus est venu dans l'humilité, la simplicité et la souffrance humaine. Pour t'identifier à nous, afin que nous puissions savoir que tu n'es pas un Dieu qui est insensible, que tu n'es pas un Dieu qui est muet et que tu n'es pas un Dieu qui est absent, mais au contraire, tu es un Dieu qui est présent et qui est sensible et qui veut nous parler. Alors nous venons à toi ce soir, qui que nous soyons, où que nous soyons, dans quelques circonstances que nous soyons, nous venons à toi. Et nous implorons ta grâce aujourd'hui. Peut-être y a-t-il des personnes qui écoutent ce message ce soir ou ce matin et qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Je vous invite simplement à faire une simple prière et à reconnaître le besoin que vous avez de Jésus. Priant simplement en disant, « Seigneur, je crois aujourd'hui que tu es mort sur la croix pour me sauver, que tu es venu dans le monde pour me racheter. » Et aujourd'hui, je crois que tu es mort pour me pardonner. Pardonne-moi de mes péchés et viens dans ma vie. Fais de moi une nouvelle personne et pardonne-moi aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et amen. Et si aujourd'hui vous avez fait cette prière pour la première fois, je veux juste vous souhaiter bienvenue dans le royaume éternel de Dieu. J'ai fait cette prière-là avec sincérité il y a bien plus de 40 ans aujourd'hui. Et Dieu a transformé ma vie à ce moment-là. Et j'ai découvert un Jésus qui était vivant, qui était puissant, qui était glorieux et qui était présent. Et c'est ce Dieu présent-là qui veut être présent dans chacun de vos cœurs, ce soir ou aujourd'hui. Alors qu'on arrive à la fin de cette réunion, l'équipe de louanges va nous conduire dans un autre chant de louanges, c'est-à-dire revenir sur ce chant « Prince des cieux » qu'on va chanter ensemble ce soir. Mais permettez-moi juste de vous souhaiter un très joyeux Noël. Que la paix règne dans votre cœur, quelles que soient les circonstances ou les limitations. Que l'amour infini de notre Père éternel puisse vous combler, vous inonder. Et que Dieu puisse vous accorder sa grâce aujourd'hui, demain, dans la semaine à venir, dans les mois à venir. Joyeux Noël! Merry Christmas! Feliz Navidad! Navidad! Feliz Navidad! Que Dieu vous bénisse! Sujet de joie.
ses promesses, ce don du ciel et jusqu'à cher pour nous sauver.
joyeux Noël à tous. Et on se revoit en 2022 en santé et avec beaucoup de hâte. Au revoir.